Alors pour le sanglier, la chasse d'automne et d'hiver à l'approche est tout à fait possible, sachant que le rut de cet animal se situe à la fin de l'automne, c'est-à-dire novembre, oui, dès la fin octobre même, avec un pic en décembre, et qu'à cette période-là, les animaux perdent leur instinct, les grands mâles perdent leur instinct, bousculent les compagnies. Et qu'on peut effectivement rencontrer des animaux sur pied, même en journée, et donc pouvoir conclure des tirs. C'est mieux ce que je pensais avec les traces que j'ai vues là, il y a une petite bande qui est en train de manger les glands. Il ne reste plus qu'à voir avec le vent. Et voilà. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est une belle balle. Je pense que c'est un petit mâle. Bon, un beau petit mâle. Comme selon les consignes qui avaient été établies. Bon ben voilà quoi. Il n'aurait pas dû venir manger des glands ce matin. Beau petit pépère. Allez hop.